ça vous avez compris. 1, 2, ça vous avez compris. Ça c'est important. Ici, changement de garde. Clavicule, coude. Clavicule, coude. Genou pour induire une réaction. Après, il pique. Il pique. Il pique quoi? Ici, positionnement. Voilà. À minima, ça va faire reculer les fesses. Ça me donne de la place. Après, lui, il fait ce qu'il veut de son bras, je m'en fous d'un peu. Là, les coudes. Bon, là. Maintenant, allez, passez là. Donc là, souvent, c'est ce passage où les mecs viennent se saisir. Encore, personnellement, je voudrais tous travailler sur ça. Ça, on n'est pas là pour ça. Je ne peux pas faire petit marche. Donc, ici, je continue. Vous remarquerez, je tiens jamais. Qui dit saisi, dit dessaisi. Mais, c'est après qu'on se met. Pour l'instant, regarde. Parce que si, quand je demande, vous n'êtes pas capable de refaire, ça sent les pompes et les cuisses. Là. Ok. Toujours, je tiens toujours pas. Je m'enroule. Ouais. Oh putain, les costauds. Très bien. Là maintenant, ah voilà, c'est ouvert. Après, si, il y a les banalités, les conneries, il y a ça. Oh, mais il est bon. Il est bon, c'est pas adepte. Alors, moi, je suis pas un adepte de ça. Hein. Parce que là, en général, je vais donner votre cheville après. Si c'est pas les jambes. Quand on est là, alors si j'étais dans la police, par exemple, j'espère qu'il n'y a pas de policier dans cette salle. Ah, j'ai entendu quelqu'un. Donc si j'étais flic, je viendrais juste pour un contrôle. Je me montre. Je viendrais ici, appuyer. Voilà. Montez l'épaule. Le corps travaille. Là, pour lui sortir l'épaule. Donc, ça veut dire que dans ce sens-là, je verrouille la clé. Donc là, je ne veux pas verrouiller la clé. Là, on est sur un travail d'échange. Donc, je veux quand même le contrôler pour qu'il aille où je veux. Le contraindre. Je ne vais pas lui faire mal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde où je vais. Et je déroule. Donc je passe par la tête, au lieu de passer par les lombaires. D'accord ? Mmh. Avec ça. J'adore ce regard vide qui me jette tous. Je pense que c'est la fin, je crois, ouais, c'est juste la dernière. Ça, c'est la fameuse, pour ceux qui connaissent, l'homoplata. Oui. L'homoplata. J'adore. Oui, donc, le problème de ça, c'est ce que je vous expliquais. C'est, vas-y, rentre ta tête dans l'arc, et je suis avant. Oh, et là, homoplata ou pas, nada. Donc, on fait la même chose. Vas-y. Il faut que je parte par là. Oui, il faut que je l'empêche de rouler. Donc il faut que j'avance pour empêcher la rotation. Voilà ce que je fais. Voilà, j'empêche la rotation. Tout simplement. Je redescends. Donc là, je ne vais pas vous dire, bah, il part sur la rotation, non, parce qu'après on rentre sur du travail de timing et de verrouillage d'épaule. Si vous vous ratez, on se retrouve soit avec un pain dans la gueule, avec le talon, soit avec Jean-Noël qui appelle les pompiers qui sont, certes, pas loin. Non, pas loin, oui. Avec une clavicule. Même la maison médicale. Donc,
quand je suis ici, l'idée c'est, je garde mon contrôle. Donc j'ai besoin d'appui. Si j'ai besoin d'appui, j'ai besoin d'avoir mon tibia le plus droit possible. Oh, ça tombe bien. Ça aide la clé. J'ai de l'appui. Hop, j'y glisse. D'accord. Souvent, parce que lui, il en a marre. Hein. Allez, c'est parti.